Salut à tous. Je réponds au nom de mademoiselle Kadanga Akwa ou Valérie pour les intimes. Je suis titulaire d'une licence en droit des affaires obtenue à l'Université de Kara au Togo. Je suis actuellement auditrice en master justice et droit du procès dans la dite université. Je suis ex-boursière de GDS Togo. En effet, malgré les difficultés, en l'occurrence le manque de moyens dans ma famille, je suis toujours déterminée pour mes études. En 2013, après l'obtention de mon bac, mes difficultés financières se sont accrues et j'avais du mal à étudier dans de bonnes conditions. Et à l'époque, un étudiant de l'Université de Kara qui avait bénéficié de la bourse des Grains de sel Togo nous avait entretenus sur cette opportunité. Mais à l'époque, je n'avais pas la qualité requise pour y postuler puisqu'il fallait en amont valider un certain nombre de critères. Il m'a fallu donc attendre décembre 2014. Après avoir validé toutes mes unités d'enseignement de première année et pendant que j'étais en deuxième année pour y postuler. Et fort heureusement, ma candidature a été retenue pour l'interview à l'issue duquel la bourse GDS Togo m'a été octroyée. GDS Togo est en fait une organisation internationale basée aux États-Unis, créée par un groupe de bénéficiaires togolais de la bourse Fulbright. Elle a pour mission essentielle de soutenir les étudiants des universités publiques d'Afrique, assidus, excellents et motivés, mais en manque de moyens. Et depuis lors, GDS m'a apporté un soutien sans faille, que ce soit sur le plan financier, académique, matériel, technique. Et le soutien de GDS m'a permis de payer mes frais de scolarité, mes fournitures et de subvenir à mes besoins les plus élémentaires. Et puis, pour la première fois dans ma vie, j'ai pu participer à des cours en ligne organisés par GDS Togo qui m'ont préparé et éveillé. Et GDS Togo m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances, que ce soit en matière de rédaction administrative, en matière de rédaction et de gestion de projet et bien d'autres choses encore. Le soutien de GDS Togo m'a soulagé de mes soucis et m'a permis de me concentrer sur mes études. J'étais donc motivée à redoubler d'efforts. Et à la fin de deuxième année, j'ai validé aussi toutes mes unités d'enseignement. Et pour m'encourager à le faire, GDS m'a renouvelé la bourse. Et j'étais pratiquement la seule personne à qui la bourse a été renouvelée. Quelle chance! Je dois avouer et reconnaître ici que sans le soutien de GDS Togo, je n'aurais peut-être pas fini ma licence, puisque j'aurais peut-être abandonné pour faute de moyens. Mais grâce à GDS, je suis sortie major de ma promotion au département de droit privé à l'Université de Kara. Et actuellement, je suis en train de préparer mon dossier pour d'éventuelles études en France. Grâce aussi et avec le soutien de GDS Togo, je rends vraiment grâce à Dieu. En ce jour où GDS Togo fête son 4e anniversaire, je la souhaite longue vie. Que ses objectifs soient atteints, qu'elle ait de nouveaux partenaires afin qu'ils puissent investir pour la cause de nos frères et sœurs qui vivent la même situation que nous. Merci et joyeux anniversaire à GDS Togo.